C'est une visite qui se situe dans le cadre de la coopération Sud-Sud, mais aussi l'aboutissement d'une diplomatie, ont indiqué les autorités guinéennes. Le président rwandais et son homologue de Guinée ont été salués ce mardi par une foule massée le long de la route, les conduisant ici à Kagbélé, à plus de 30. Kilomètres du palais Mohamed V. Le Kagame, c'est une bonne personne. Il va lui conseiller quand même d'organiser le plus vite possible les élections et puis de céder le pouvoir à la personne qui va gagner. Les deux présidents n'ont fait que quelques minutes, le temps de couper le ruban inaugural. Le cortège présidentiel quitte ensuite la cérémonie après avoir dévoilé le nom de l'édifice, désormais appelé Échangeur Paul Kagame. Si le régime en place a intérêt à ce que le pont soit appelé ainsi, et je pense Paul Kagame aussi, c'est pas quelqu'un de moindre aujourd'hui en Afrique, c'est une référence, c'est quelqu'un qui a pris le Rwanda dans un abîme très profond et a fait de ce pays aujourd'hui un exemple en Afrique. Les autorités guinéennes affichent une volonté de s'inspirer du modèle rwandais dans plusieurs domaines. La signature de plusieurs accords est prévue à la fin de cette visite, la première de Paul Kagame en Guinée depuis la prise du pouvoir par les militaires le 5 septembre 2021. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry. Young people from different parts of the country, from different ethnic or tribal backgrounds. So that brings together people who learn the importance of building a nation and doing it with the kids who are still very young. Ministry is going to be absorbed, and that's what the future looks like, is bringing the country together. Sharing knowledge and expertise among ourselves as Africans and with other partners around the world is useful and necessary. We do this to help us create the conditions for our citizens to live long, healthy, and productive lives and contribute to the advancement of our countries. Demain, le président rwandais arrive chez nous. Vive l'amitié guinéo-rwandaise. De toutes les façons, moi, je suis déjà ami au Rwanda à travers toi. De 48 heures. Ouais. Je crois que c'est bien cela, c'est la voiture présidentielle qui amène au palais le chef d'État rwandais Paul Kagame. On va donc suivre si l'accueil va commencer donc par les honneurs militaires, c'est classique, et au bout desquels le chef de l'État au pied de la marina va accueillir son hôte rwandais. On va voir sans doute sortir d'un moment à l'autre, d'un instant à l'autre, le président Paul Kagame en visite de travail au Bénin.
timing est respecté. Le président rwandais Paul Kagame, qui vient de recevoir les honneurs militaires à son arrivée à la Marina, une visite qui intervient quelques années après la visite que lui a rendue Patrice Talon, juste après son élection, échange de bons procédés, retour d'ascenseur sans doute, mais également derrière un agenda assez achalandé de coopération dont ils vont discuter les deux hommes d'État autour d'une séance qui sera élargie juste après aux délégations ministérielles à la Marina. Patrice Talon qui vient à la rencontre, accolade chaleureuse entre deux hommes qui visiblement s'estiment et qui le témoignent à l'image. Patrice Talon qui va avoir donc dans un instant un tête-à-tête avec son homologue rwandais, avant de pouvoir élargir les discussions autour de l'agenda retenu pour cette visite d'État aux différentes délégations. Paul Kagame qui est reçu ainsi à la Marina pendant que son épouse, qui l'a précédé hier, était également accueillie par la Première Dame qui est au bon soin depuis hier.